Da. Alors, what's up tout le monde, ici Alexandre Lessard pour vous montrer un jeu qui est sorti sur la PlayStation 1 par Electronic Arts et présenté par Blizzard. Donc, c'est quoi ce jeu-là? Ben, ce jeu-là, c'est Diablo. Donc, on y va tout de suite. Tout de suite. Je baisse un peu le son. Bon. Et oui, je joue sur un console Android. Et je sais, la plupart des rétro gamers sont contre l'idée. Je peux comprendre. Mais bon. Je vais juste vous montrer que c'est possible de jouer même sur Android à Diablo. Genre, ça c'est l'original, mais version PlayStation, émulée avec un programme d'Android. Donc, une application. Donc, je sais même pas si je vais le mettre en ligne cette vidéo-là parce que ça fait déjà polémique ici, puis polémique. Je sais pas si c'est un mot, en tout cas, ça. Les lois aux États-Unis puis en Amérique du Nord, au Canada, c'est pas tout le temps les mêmes règles, mais souvent oui, fait que ça se peut que si je mets ça en ligne, j'ai des problèmes. Alors. Ouais, je devrais peut-être pas mettre ça en ligne. Mais je vais quand même faire la vidéo, puis on va voir ce que ça donne. Puis c'est ça, j'attends des réponses positives, j'espère que ça va être positif. Je fais des démarches pour me trouver un emploi, donc. Yeah, j'ai une entrevue demain, voyons voir ce que ça donne. En tout cas, espérons-le, parce que moi je suis tanné de faire des vidéos poches. Là, on est 10 heures sur mon poche des vidéos, mais on les écoute pareil. Quoi. Ben, merci de me dire c'est poche. En tout cas. Donc, Diablo 1, il est sorti sur PlayStation. Dans le temps, c'est mis ça peut-être en Windows 98, 95, 98. Puis, c'est un bon jeu. C'est juste que même dans l'émulation, il y a des loadings, des chargements. Donc là, je l'ai mis en 4.5. Excusez, en 4.3. Et je m'en allais par là. Je sais pas pourquoi il met tout le temps en anglais quand je load. J'aurais dû le mettre en français. Donc c'est ça, je sais pas qu'est-ce que vous faites chez vous, moi il fait vraiment beau puis je dois rester en dedans un peu. Je vais sortir plus tard avec un masque et en mettant du Purell partout sur le corps. Donc donc là, je vois rien. Pardon. Je vois vraiment rien. Manette, manette, fais-moi voir quelque chose. Ok. Je sais pas pourquoi je vois rien. La luminosité était au minimum. Désolé pour ça. Moi, je vois rien. Bon. Ok, là, je vois quelque chose. Merci, manette. Merci, manette. Donc, c'est ça le. Ma console Android, c'est un Gembox. C'est discontinué. Mais ça fonctionne encore toujours. Fait que je suis bien content. Ça, c'est une manette genre Gamepad Wireless. Ça fonctionne. Donc, c'est ça. J'ai pas grand chose à dire. Je veux juste vous montrer que mon PlayStation 1, c'était quand même bien fait là. Parce qu'ils ont sorti Diablo 2, puis c'est en HD. So yeah. Quand j'ai vu que je pouvais jouer à celle-là, que j'ai joué souvent avec mes amis, ben mon ami Brian surtout, que je suis là en passant, donc yeah. So, là, j'ai commencé une partie l'autre fois, puis j'ai fait, ouais, ça marche quand même pas pire pour une émulation du PlayStation 1. Donc, j'ai commencé une partie. J'ai commencé une partie, j'ai débuté tout seul, voir si tout fonctionnait bien, puis. Ouais, ça marche. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Les contrôles sont les mêmes que sur le modèle PlayStation parce que ça, c'est sous le modèle de PS4. Donc, dommage que je ne sorte pas la vidéo. En plus, là, c'est très le temps parce qu'ils ont sorti des Diablo 2 Remastered. Remastered, en tout cas. Puis, ouais, je me demande s'ils vont faire le Remastered du 1 aussi. Ce qui devrait être pas pire, là. Et ça,
savent comment faire là, en technologie. Donc pourquoi pas? En tout cas, c'est sûr que sinon c'est un peu age. C'est un peu un vieux jeu. Oh! Déconcentré. Yeah. C'est ça. Je voulais juste voir aussi si j'étais capable de faire un montage vidéo avec ma tronche dans le coin. Là, je suis en train de filmer à partir de mon cellulaire, à partir de ma console avec un enregistreur HDMI. Donc mettre l'image du jeu comme ça, puis mettre ma tête comme ici qui parle. Donc qui parle? C'est moi. Salut. Donc volume ajustement, langage. Français. C'est pour ça que je me suis fait tuer par les petits monstres, parce que c'était en anglais. Non, c'est pas vrai. Je vous ai montré un peu le niveau de la chapelle. Je suis allé au deuxième étage, puis je me suis fait massacrer. Massacrer. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je recommence. Je vais vous montrer un peu le village. Rien de plus qu'avant, sérieux. Parce qu'il n'y a pas d'update dans ces jeux-là au PlayStation 1. Donc, ils ont fait une version comme compactée, comme ça sur un CD, puis ils ont dit, mets ça dans ton PlayStation et amuse-toi bien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Entre parenthèses, j'ai plus de PlayStation. Je suis un criminel. En tout cas, je vais vous montrer un peu le village. On verra ce que ça donne. Je vais arrêter ça de là, mais je vais couper au montage. Ah, c'est pour ça que j'ai pas encore acheté Diablo 2, parce que moi j'ai une Nintendo Switch. Je vais l'acheter sur la Nintendo Switch, mon ordinateur qui est assez fort pour le rouler, il est pété. Fait que bon, on joue sur l'émulation. J'ai pas joué beaucoup là, c'est juste pour vous montrer comme que c'est possible. En plus, je suis dans le village. Je suis dans le village. Le village est assez grand. Donc, il y a des personnages un peu partout. Ça, plus tard, ça va être ouvert pour aller plus bas dans la crypte ou la citadelle. La chapelle. Donc, c'est ça. Dans le village, il n'y a pas juste une vache. Il y a aussi des villageois. Des marchands, un curé. Je suis pas sûr pour le curé. Mais bon. Toutes les sorts là, sont là, mais il faut juste les trouver avant. Ça va mieux. Bon. Donc lui, il vend des armes ordinaires, précieuses. Il fait aussi réparation. Puis, c'est à peu près tout.
C'est mieux de vendre nos arbres une fois qu'on les a identifiés avec les parchemins d'identification. Après ça, lui, il peut nous donner plus d'argent pour notre arbre. Donc, c'est intéressant. Je suis heureux de vous trouver. Je suis heureux de vous trouver. Attends. Donc, c'est ça. Ça m'a fait mon vidéo. Fait que mettez un j'aime, partagez et surtout dites salut. Quand vous voyez, ciao.